Malgré les efforts, l'offre en eau potable dans notre contexte ne satisfait pas toujours la demande. Une demande importante du fait de l'urbanisation et de la forte poussée démographique entraînant le mouvement des personnes vers des villes ou des points à forte concentration humaine. L'eau potable est une denrée rare pour les ménages. Tous les moyens sont mis à contribution pour l'avoir, mais ce n'est pas toujours le cas. À ces données essentielles liées aux investissements, il convient de dire que l'eau qui part en fuite, l'eau qui n'est pas facturée, constitue un problème au Cameroun et ailleurs. Pour circonscrire le problème, le gouvernement du Cameroun vient d'autoriser l'accueil à Yaoundé d'un colloque international sur la gestion des sociétés d'eau, la viabilité financière de ces sociétés en Afrique, la maîtrise des pertes commerciales et des fraudes sur le réseau d'eau potable. Écoutez, ça pose un problème majeur parce qu'il faut savoir déjà qu'est-ce que ça veut dire que c'est cette eau non facturée. Vous produisez 1000 litres d'eau et vous distribuez ces 1000 litres d'eau. Pour produire ces 1000 litres d'eau, vous utilisez des produits chimiques pour rendre l'eau potable. Donc l'eau qui va sortir de l'usine est une eau qui coûte de l'argent. Et vous distribuez cette eau-là aux populations. Mais vous espérez que lorsque vous distribuez ça aux populations, lorsque vous allez facturer ces populations, vous allez facturer 1000 litres parce que vous avez produit 1000 litres. Et en fin de compte, quand vous faites vos bilans, vous n'avez pas facturé 1000 litres, vous avez facturé 500 litres. Mais alors, où sont passés les 500 litres qui ont été fabriqués dans l'usine et qui n'ont pas été comptabilisés dans les compteurs des clients? Mais ces 500 litres ont soit été perdus dans le réseau, parce qu'il y a des trous dans le réseau, et donc l'eau a disparu. Ces 500 litres en question n'ont pas été facturés parce qu'il y a eu de la fraude. Il y a des gens qui ont consommé de l'eau sans que ça passe par les compteurs. Il y a de fortes chances aussi que cette eau en question soit perdue parce qu'il y a eu par exemple un feu quelque part, on a utilisé les bornes à feu, et bien sûr ces bornes à feu on ne les paye pas puisque l'eau qui est là-dedans ça sert pour éteindre le feu. Donc on a produit 1000 litres et on a perdu 500 litres en chemin. Mais quand on met ça sur des grandes quantités, on amène à avoir alors des eaux non facturées qui peuvent avoisiner les 40, les 50%. Nous voulons la plus. Dans certains pays à faible revenu, les pertes représentent 50 à 60% de l'eau fournie et la alors. On l'a reconnu dans le cadre de cet échange, les pertes sont entre autres causées par les infrastructures vétustes et vieillissantes, une mauvaise politique des opérations de maintenance, une insuffisance des compétences technologiques et techniques et des contraintes financières avec une facturation inadéquate. On a besoin de plus d'eau pour alimenter les nouvelles populations puisque les villes grandissent. L'urbanisation galopante est quelque chose d'important en Afrique. Et où est-ce qu'on va chercher cette eau si on est en train de perdre la moitié de ce que nous produisons? Voilà la problématique que nous sommes en train de débattre. Comment faire en sorte à ce que lorsqu'on produit 1000 litres, si on perd 20 litres, ok. Si on perd 30 litres, ok. Mais on ne veut pas perdre 500 litres, ce qui correspond à la moitié de ce qui a été produit. Et ça a un coût financier important. Comme on l'a dit, c'est presque une... Globalement, si on veut vraiment regarder les coûts, c'est presque 15 milliards de dollars qui sont perdus à travers le monde à cause de la problématique de l'eau qui part en fuite, qui part en fraude, etc. Le Cameroun à lui seul perd près de 47% de l'eau potable produite annuellement et mise à la disposition des consommateurs. En évaluation chiffrée, c'est à peu près 37 milliards de francs CFA qui prennent une destination inconnue, au détriment bien sûr de la société de distribution d'eau. Nous pouvons davantage élaborer des hypothèses, parce que nous voulons que des réponses plus appropriées soient apportées, basées sur l'expérience en partage. C'est cela qui est recherché. C'est un colloque, mais c'est davantage, par ailleurs, un atelier. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Les solutions sont connues. On parle de sectorisation. Il faut découper les zones pour les maîtriser. Il faut maintenant digitaliser. Et c'est pour ça que CamWater s'en va vers la digitalisation, à la fois pour avoir des centres techniques pour contrôler les unités de production, pour contrôler les réseaux qui vont devenir intelligents,
les compteurs intelligents pour une meilleure facturation, mais détecter les fuites pour les réparer rapidement. Il faut dire par ailleurs que nous avons évoqué la nécessité d'avoir une alliance citoyenne autour de l'eau, que les consommateurs et autres soient davantage plus établis dans une mentalité favorable à ce que le système d'approvisionnement de l'eau, qui est suffisamment supporté par l'État, parce que c'est plus subventionné, l'eau n'est jamais vendue au prix coûtant, c'est toujours au moins, au plus à la moitié du prix de production. Et quand les pertes viennent à intervenir, soit du fait des déficits techniques, du fait des éléments volontaires, notamment les cas de vandalisme et les cas de fraude, le problème devient beaucoup plus important. Comme solution, les États proposent des subventions au secteur de l'eau, pas assez pour endiguer le mal. Au Cameroun, par exemple, la CamWater, Cameroon Water Utilities, estime que le coût de production d'un mètre cube d'eau est de 900 francs CFA, alors que le consommateur ne paye que 370 francs CFA. Les 530 francs de différence sont supportés par la subvention de l'État. Comme solution pérenne, il faut envisager ce qu'on appelle synchronisation. Il faut découper les zones pour pouvoir les maîtriser, ensuite les digitaliser. La digitalisation, ici, permet à la fois d'avoir des centres techniques pour contrôler les réseaux de distribution, contrôler les réseaux qui forcément deviennent intelligents pour une meilleure facturation et la maîtrise des techniques de fuite. Il faut que chacun, au-delà des infrastructures physiques, soit un bon consommateur, un bon partenaire, pour que le système d'approvisionnement en eau potable soit solidaire et équitable. C'est l'une des hypothèses qui n'est pas souvent envisagée, parce que vous avez certainement pensé à ce que ce soit de toute technologique, mais l'eau est d'abord une denrée à consommation humaine. Les hommes doivent être solidaires, et dans cette solidarité, ils doivent être de bonne volonté et de bonne foi. Penser à améliorer la performance financière des sociétés d'eau ne relève donc pas d'une construction imaginaire. Il est possible de faire le dessin d'un nouveau modèle de société de production et de distribution de l'eau potable dans la sous-région en Afrique centrale. Un modèle offrant les garanties d'une meilleure maîtrise des techniques commerciales et de la fraude. Mais au-delà de tout, du point de vue des politiques et des réglementations, l'Association africaine de l'eau plaide pour la révision de la tarification et de la facturation de l'eau afin d'équilibrer les charges. Elle indique qu'il faut promouvoir l'import-substitution dans le secteur de l'eau potable, promouvoir des outils innovants, de sectorisation, de recherche des fuites, de gestion de la pression et de numérisation propices à la maîtrise des pertes commerciales dans le réseau d'eau potable. Il faut harmoniser les outils de lutte contre les pertes et enfin passer par le renforcement des capacités des acteurs en facilitant le partage des connaissances sur l'eau.